Je pense que c'est lui qui m'intéresse le plus. Il y a un petit peu de mauve par ici. Par ici, on a un petit peu d'améthyste. Oh, il y a du moustique. Il y a plus d'animaux que jamais. Et je vais essayer de m'enfoncer pour aller porter ma caméra où je la mets d'habitude. Il y a quelqu'un qui a trouvé le spot de quartz. Qui a laissé ses déchets, hein? Sa chaudière et ses pots d'eau, il aurait pu y ramasser. On a pas assez de déchets de même. Attends, je regarde un peu les quartz qui sont là, il y en a beaucoup. Il y a plusieurs beaux morceaux. La forêt est sec, sec, sec. Il y a toujours pas. On est encore. Il y a encore très peu de pluie. Je vais essayer de retrouver. De retourner! Où j'avais mis la caméra. Je vais aller la remettre là. Ça devrait passer par là. Ensuite, peut-être un petit recording, mais la chaleur est extrême, alors je garantis rien. Il y a un petit endroit ouvert où le sable a été bougé et je voulais aller voir un peu, faire un peu de recording. Fait que je vais juste aller poser ma caméra là. Je passe par la forêt, je la traverse. Et il est 6h30. Ouais, 6h30 du soir. Fait que c'est comme un peu plus tard. Là, ça m'a donné de même parce qu'il fallait que je fasse une vidéo avant. Puis ça a pris du temps. Fait que là, j'étais un peu trop tard, plus tard que d'habitude. Fait que je vais essayer de pas trop traîner. Normalement, je vais pas dans le bois à cette heure-là, parce que c'est là où il y a plus d'animaux. Vaut mieux y aller vers l'heure du midi, entre 10h et 3h, habituellement, il n'y a pas trop d'animaux. Là, ils sortent à cette heure-là, puis ils doivent avoir soif vu la chaleur. Ok, tu frappes à bord. C'est terrible. De pouvoir arriver au ruisseau. On klaxonne. On avertit les animaux. Ouf, il fait chaud. Alors, la caméra est ici. Je vais la poser. Oh, regardez la belle grenouille. Elle est magnifique. Et ailleurs, il y a vraiment beaucoup de variétés. Toute jolie. Il n'y a pas beaucoup d'eau en signe de pluie. Oh, il en reste à peine. Je vais quand même mettre la caméra là. En espérant qu'il va y avoir un peu de pluie.
On a beaucoup de pierres de calcaire. Roche ancienne. Il y a de la bestiole ici. Oh là là. Alors, dans des tas de roches comme ça, qui sont au pied d'une montagne, dans le nord, ou de, ma posée est une grosse montagne, là, mais quand on voit beaucoup de rochers comme ça, il pourrait y avoir du fossile là-dedans. Et c'est intéressant à analyser. C'est pas la première fois que je la prends dans mes mains, elle. Je suis déjà venue l'année passée, mais on ne perd rien à regarder comme il faut, plus sérieusement. J'avais pas regardé des fossiles. Tu vois, ici, on a des traces. Ça peut être très ancien. Des traces de vie. Ouf! Regardez comment je dégoûte. Il fait vraiment trop chaud. Ah, c'est terrible. Allez, on sort d'ici. C'est pas aujourd'hui que je vais faire du recording. Puis c'est plein de thon. Puis tu frappes à bord. Trop vieux. On est déjà arrivé à la fin.
Il y a du monde qui font du jogging, de faire 35 degrés, 40 degrés au soleil. Ils sont cinglés. Je vais aller porter ça au recyclage pour poubelle. Il y a un animal juste derrière moi. Alors, on se revoit sur la prochaine vidéo. Je travaille jusqu'en fin de semaine. Mais on va se revoir bientôt, c'est certain.